semaine, lundi matin, il est 10h20. Un peu dur ce matin à se réveiller, à faire les choses. Je me suis dit, tiens, mon radio-réveil s'est éteint, c'est bizarre. Mais oui, il était déjà 9h. Donc, c'est pas très normal parce que normalement, en 9h, je suis déjà levée. Bref, oui, on a passé un week-end assez costaud, et enfin, assez costaud, assez sympa avec des amis. Et donc, du coup, on s'est couché tard pendant 2 jours et... ça aide pas. Voilà, donc du coup j'ai la tête un petit peu enfarinée, mais bon ça va. Et puis Doudou elle en peut plus. Doudou elle est au bout de sa vie, Doudou. Doudou elle est au bout de sa vie, elle est fatiguée, elle peut plus. Elle peut plus. Regardez-moi cette tête fatiguée. Tu vas faire des gros dodos aujourd'hui. Oui. Tu vas aller dans le lit. Oui, on va aller dans le lit faire des gros dodos. Donc voilà. J'ai fait quelques petits achats soldes la semaine dernière, je sais pas si je vous en avais parlé, donc je pense que si je reçois tout cette semaine, je vous ferai une petite vidéo solde dédiée. Voilà, voilà. Sinon, aujourd'hui, bah, grosse pensée pour ma tata qui doit faire euthanasier sa petite chienne. Ça fait toujours un petit quelque chose au cœur quand ça arrive, je crois que je l'embête. Et ouais, c'est... voilà, c'est une grande preuve d'amour qu'on peut leur faire d'arrêter de les faire souffrir. Mais c'est vrai que c'est jamais évident parce que quand ils partagent nos vies comme ça, c'est toujours un peu compliqué. Donc un peu triste ou net ce matin, mais bon voilà, c'est... voilà, bref. Sinon, au programme cette semaine, demain je reçois la box HelloFresh de la semaine. Mercredi, normalement, il y a... demain je reçois la box HelloFresh de la semaine. Je m'installe mieux. Mercredi, je pensais aller chez ma maman, mais ma maman a coiffeur. Donc, je ne vais pas chez ma maman. Ma maman vient demain. Parce que ben, je ne peux pas y aller demain, parce que je reçois la box et l'eau fraîche. Après, jeudi, normalement, je vois Alice de la chaîne Mamselle Alice. Et vendredi, écoutez, le vendredi, comme voilà. Donc, une semaine qui est assez bien programmé. En plus de ça, j'ai des choses à faire pour le boulot, donc il faudra que je les fasse. J'ai des choses à faire pour YouTube parce que j'ai pas mal de vidéos à vous monter que j'ai tourné la semaine dernière et tout. Là ce matin, je vais commencer par vous tourner la box Click and Fit parce que je l'ai reçue samedi. Alors je dois vous avouer que on a déjà jeté un coup d'œil dedans avec ma copine. Et mon chéri était là et je vous dirai, vous verrez dans la vidéo commentaire que chéri a fait qui m'ont fait rire. Bref, sur ce, je vais vous laisser, je vais m'installer, je vais filmer la Click and Fit et puis voilà. Ah si, je vous l'ai dit dans le dernier vlog, j'étais allée chez Noz avec ma copine Bambou samedi dernier et j'ai pris quelques petites choses. J'avais pris des pochettes, vous savez, des pochettes plastiques comme ça là. Hop, voilà, on peut mettre des feuilles A4 ou A5 dedans, A4 pliées ou A5. C'était 1,50€ les 6 et moi je m'en sers pour le boulot. Et c'est des couleurs assez pop, hein, y a des couleurs assez fluo. Donc j'ai trouvé ça super top. J'ai trouvé un masque de la marque AIAC, la Post Cocooning. C'est un masque Charlotte soin anti-raplapla. Donc, oh, désolé, c'est flou. Pourquoi c'est flou? C'est bon, c'est revenu. Donc on verra bien et je crois que c'était 89 centimes. J'ai trouvé une bombe K2R parce que j'en avais plus, donc ça tombait très bien. Un détachant avant lavage, Super Power Fizz K2R à 2,20€. On verra bien ce que ça vaut. J'ai trouvé également un livre qui m'a intéressé de Liliane Mosca, La vie rêvée de Gabrielle, muse des Renoirs. Voilà. Et ça c'était... je sais plus bien. Alors je vais voir le ticket de caisse là, donc je vais pouvoir vous dire ça. Normalement prix public il est à 16,50€. Ah non, attendez, ah c'est France Loisirs. Ok, c'est marqué prix club 16,50€, prix public 21€. Et moi je l'ai payé 4,50€. Voilà. Et j'avais pris aussi de la marque Gerblay des croustilles pépites son d'avoine. Voilà. Et ça c'était 1,99€. Et le dernier truc, ah si, j'avais pris un jouet pour ma birdie aussi, mais il est déjà dehors, qui était à 3,99€. Et j'ai trouvé ça, j'ai vu beaucoup passer ça sur les groupes Noz. C'est de la marque Bitik et c'est un gloss et c'est la teinte H-I-G-H, je sais pas comment ça se prononce, 99 centimes. Il y en avait d'autres teintes, mais ils étaient plus dans les boîtes. Donc à mon avis, il y en a qui les ont mis dans leur poche. Alors, je vais regarder avec vous ce que ça donne, parce que j'ai pas pris le temps de le regarder. Il est très joli, regardez-moi ça, cette couleur. Elle est très 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 pétante. Allez, on va le mettre, on va voir ce que ça donne.
attendez. Wow. Allez. Ah oui, c'est... Ouais, ça reste pas. Hop. Oh, ça a un goût de bonbon, les gars. C'est quoi comme marque, ça? Dutch DE. C'est un fort goût de bonbon dans la bouche. C'est impressionnant. Et... Ouais. Quand on l'applique, il y a beaucoup de reflets, mais au final, pourtant, il était très beau comme ça. Oh. Le goût de bonbon comme ça me dérange un petit peu beaucoup. C'est très sucré. Et puis, chez Zeman, j'avais pris un petit collier Cori. Tout simple comme ça. Tout bête à 1,49€. Donc, voilà. Ah si, j'avais pris ça aussi chez Zeman. Une petite lampe comme ça. Eh bien, écoutez, elle est top de chez top. Elle était à 3,99€, mais elle est passée à 2€ en solde. Et elle est franchement géniale. Attendez, je vais vous montrer. Donc, elle se présente comme ça. Donc, c'est tout mignon, même à laisser dehors. En fait, moi, je l'ai pris parce que quand on mange dehors, quand il fait un peu plus noir le soir, quand on finit le repas, on n'a pas forcément de lumière à l'extérieur, à l'endroit où il y a la table. Et je me suis dit que ça pouvait être sympa, ça pouvait apporter un petit truc de lumière. Et c'est une lampe camping à la base. Donc, attendez, je l'ouvre. Hop. Donc, vous voyez, elle éclaire quand même bien. Donc, on en était très contents. C'est des LED, je pense. On en était très contents samedi soir quand on l'a essayé. Donc, voilà. Content de ça. Pour 2€, franchement, je me suis dit au pire pour 2€, si ça marche pas, ça marche pas. Bon, allez, le goût de ce gloss est super désagréable, c'est trop sucré. Bon, cette fois-ci, je vous laisse, je vais tourner ma click and sheet et je vous retrouve plus tard. Donc voilà, j'ai tourné la click and sheet. Oui, j'avais pris mon t-shirt en jean noir. Celui-ci vient de chez, je sais plus où, H&M, je crois. Ouais, c'est un H&M Regular White Short. C'est une taille 52, mais franchement, il était trop petit à l'époque. Enfin, il était bien moulant à l'époque. Et maintenant, à la limite, je pourrais prendre un 50. Mais je l'aime bien, donc je le garde comme il est. Ouais, ils sont très bien les shorts H&M en général. Moi, mes shorts en jean, c'est que H&M. Voilà. Bon, bah écoutez, vous verrez dans la vidéo click and fit ce que j'ai gardé, ce que j'ai pas gardé. En attendant, moi, je vais faire mon retour. Je vais allumer mon PC pour pouvoir monter le vlog et tout ça, et tout ça, et tout ça. C'est parti, je vais bosser pour vous les gars. Bon, il est 14h30. Je me suis plantée complètement dans le sens de dans lequel je devais monter mes vidéos. J'ai monté le vlog avant de monter la vidéo du jour. C'est pas grave, le vlog est monté, il est en train de se charger. Je m'occuperai de la vidéo du jour après. Je suis complètement décalquée. Si vous saviez à quel point j'ai envie d'aller me coucher, ça ira mieux demain, hein, mais... C'est toujours un peu comme ça. J'ai reçu également ce matin une commande que j'avais fait chez Mesdames de Paname. Je vous l'ai partagée sur Insta. Je vais vous montrer ce que j'ai pris. Coquillages et crustacés. Hein. C'est des petites créoles blanches comme ça avec un petit coquillage, tout simplement un petit cori comme ça. Je trouve ça trop mignon. Elles sont trop belles. Je vous remettrai le site Mesdames de Paname en barre d'infos. Parce que ça va bien vouloir faire le focus. Voilà. Très mignonne. Ensuite, j'ai pris, il me semble que c'était, je crois, hein, je suis pas sûre de mon coup, mais je crois que c'était une chaîne de cheville. Je crois, oui, chaîne de cheville. Il me semble bien. Comme ceci. Donc, focus. Voilà. Avec un petit cori aussi. Une petite étoile de mer. Et la dernière chose, ce sont des boucles d'oreilles comme ceci, qui sont très mignonnes aussi, créole cori, mais plus petites en fait, voilà, que j'ai déjà en doré. D'ailleurs, elles sont encore sur le site en doré, elles sont très jolies, et le site c'est ça, Mesdames de Paname. Voilà. C'est l'instagrammeuse My Little Gang qui fait ça, et je vais vous montrer les mêmes que les cours, je muse. Les mêmes que les petites argentées que j'ai en doré. Normalement, elles sont là. Donc voilà. En doré, elles donnent ça. C'est exactement la même chose.
Enfin bref, vous voyez un petit peu, c'est exactement la même chose, sauf que les petites perles au niveau du coquillage, c'est doré, et la petite créole, c'est doré. Voilà, je les adore en doré, et je voulais les avoir en argenté aussi. Quand j'aime un bijou en doré, j'aime bien l'avoir en argenté, parce qu'en fait, quand j'aime un bijou, et j'aime bien l'avoir dans les deux couleurs. Allez chercher pourquoi, j'en sais rien, mais c'est comme ça. Bon, je vais aller accrocher ma lessive, j'ai déjà fait deux lessives ce matin qui sont en train de sécher. Je vais décrocher celle qui est là-bas, en train que j'ai accroché hier en fin de journée et qui doit être sèche. Et donc je vais accrocher celle qui est à tourner, donc il faut que je décroche ça pour accrocher l'autre, bref. Et puis je pense qu'une fois que j'aurai fait tout ça, mon vlog sera sûrement encodé, donc je pourrai ensuite le balancer sur YouTube. Non, je le balancerai pas sur YouTube, dès que celui de ce vlog est encodé, derrière j'attaque la vidéo, le montage de la vidéo du jour, comme ça je pourrai la balancer elle sur YouTube, et le vlog ça attendra demain. Voilà. Allez, je vais faire tout ce que j'ai à faire. Bon voilà, j'ai rattrapé mon retard, il est 17h05, j'irai bien faire une sieste, je vous cache pas. J'ai refait mes ongles aussi, histoire d'essayer de... Voilà, j'ai fait un dégradé de beige et de marron. Alors, pour information, je vous les donne dans l'ordre de mes doigts. Le premier, c'est le Optic White Dior, c'est que des vernis Dior. Hein. Donc le premier, c'est le Optic White, le deuxième, c'est-à-dire celui-ci là. Vous voyez pas bien en fait, si comme ça au moins vous voyez. C'est le Grège 413. Le suivant, hop, celui, voilà, c'est le Palais Royal 403. Ensuite, nous avons le, ici, là, le Trench 223. Et pour finir, nous avons le Dune 715 au niveau du pouce. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. J'aime bien l'effet dégradé sur les ongles en ce moment. Moi, j'aime bien passer d'un clair au foncé sur le pouce. Je trouve ça sympa. Donc voilà, bon il y a des petits ratés hein, mais c'est pas grave, demain la douche ça va s'en aller, il n'y a pas de souci. Alors le, c'est lequel celui-ci? Le grège là, celui qui est sur ce doigt là, ça fait vraiment un effet ongle nu quasiment avec ma peau bronzée, ça... c'est impressionnant. Voilà, mais mon préféré c'est quand même le blanc sur les ongles. Ouais. Bon, bah, je crois que je vais me faire un petit café pour essayer de me booster. Et ce soir, sincèrement, ce soir c'est au dodo, mais de bonheur. Ouais, parce que là... Et je pense que je vais me faire un petit café, peut-être regarder une petite vidéo YouTube ou aller me poser dans le jardin, je sais pas. Bon, en attendant, je pense que je vous reprendrai peut-être pas aujourd'hui, je vous reprendrai peut-être plus demain, parce que je vais me poser, voilà. Coucou, comment allez-vous en ce mardi matin? Moi ça va très très bien, j'ai bien dormi cette nuit, je suis en pleine forme. Ce matin je vais vous tourner une vidéo top flop, je sais que la dernière fois, la dernière édition, vous l'avez beaucoup aimée, et là j'ai quelques petites choses dont je vais vous parler. Donc voilà, on y va, c'est parti. J'ai failli faire tomber mon téléphone en le tapant dans le canapé. Oh. Allez, c'est parti, je me mets en place. J'ai mes tops et mes flops qui sont là. Le trépied qui est là. On va filmer. Bon voilà, vidéo top flop tournée, c'est fait. J'ai plus qu'à monter la vidéo tout à l'heure. Ma maman doit venir manger avec moi ce midi. Elle va m'envoyer un message pour dire qu'elle passerait vers 12h30. Donc moi ça me pose pas de problème. Je vais enlever les swatchs sur ma main. Oh. Et je pense que je vais me caler au montage de la vidéo, comme ça ce sera fait, on en parle. Coucou, comment allez-vous en ce mercredi? Il est midi 5 et j'ai déjà fait, je crois que ça sonne midi, donc j'avance un petit peu. J'ai déjà fait plein de choses ce matin, j'ai fait des obligations professionnelles, banque et tout le tralala. Je suis passée chez Betty Mode pour voir un petit peu les soldes. Je vous ai fait des petites photos, je voulais... Vous les avez déjà vues sur Instagram, elles sont déjà passées. Et oui, j'ai fait un craquage aussi chez Betty. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai fait des courses aussi parce qu'il manquait de l'eau et tout ça. J'avais acheté de l'eau vendredi, mais comme les amis sont venus, on a beaucoup bu d'eau parce qu'il faisait chaud ce week-end. Donc j'ai été rechercher de l'eau, un sandwich pour mon mari pour demain, enfin des conneries quoi. Puisque je continue HelloFresh. J'ai reçu d'ailleurs ma box hier et je vous les ai pas fait en vidéo parce que bon, je pense qu'à force c'est lassant. Donc voilà, et dites moi d'ailleurs si ça vous intéresse que je continue les box HelloFresh en vidéo ou pas. En attendant, là aujourd'hui il faut que je monte la vidéo pour faut que je mette en ligne le vlog parce qu'il est toujours pas mis, que je monte la vidéo pour vendredi et pour dimanche éventuellement, ouais je pense, et que je vois un petit peu voilà ce que j'ai à faire, un petit peu de ménage dans la maison, du linge, et puis voilà, ce sera déjà une bonne journée. Il fait déjà bien lourd aujourd'hui, en plus j'ai pas arrêté de m'activer,
Il y a que 24 quand même, et j'avais une veste ce matin, je vais voilà vous montrer ça. Voilà la fameuse veste dont je vous parlais la semaine dernière dans le vlog que je vous avais mis en avant-première, le lien, et je vais vous montrer la tenue. Franchement, je suis trop fan de ma tenue. Par contre, il faut que je remette les chaussures. Je les avais enlevées pour remonter dans le bureau pour aller chercher le PC et la carte mémoire. Et donc du coup, hop, on remet les chaussures. Allez, donc voilà ce que donne la tenue en entier. Je suis trop fan de cette veste. C'est une petite veste qui vient de chez Shein. Elle est blanche avec les petits boutons. Vraiment, vous avez vu la vidéo ? Blanche avec les petits boutons rose gold comme ça, je trouve ça magnifique, c'est une veste courte. J'ai mis la petite robe, vous savez, avec les fines bretelles là qui vient de chez Shein également, et les poches. On est trop bien là-dedans quand il fait trop chaud. Au niveau des bijoux, j'ai mis un collier comme ceci, elle est hyper décolletée, hein, mais bon ça, moi ça me dérange pas. Un petit collier comme ça qui vient de chez Au Soleil, je vous avais partagé sur Instagram, je vous remettrai son lien en barre d'infos. C'est une onglerie dans le même truc que Betty Mode. Petit collier la halle, petite créole habituelle. Et au niveau des bijoux, j'ai ma bague Cori de chez Emma et Chloé. J'ai un bracelet Emma et Chloé, j'ai un bracelet là, j'ai un autre bracelet Emma et Chloé, et j'ai un bracelet en or que mon chéri m'a offert. Donc voilà un petit peu pour les bijoux. Et les petites sandales, c'est des petites sandales comme ça qui viennent de chez Bershka. J'ai vérifié, c'est écrit Bershka dessus. Par contre, j'ai trouvé les mêmes hier, exactement les mêmes sur Shein. Donc si vous les, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder. Elles existent en noir et en blanc comme ça. Et du coup, j'ai recommandé les noirs parce qu'on est trop bien dedans. Voilà un petit peu pour la tenue que j'aimais beaucoup. Franchement, je trouve que cette tenue, elle a un effet très chic et très sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Voilà, la veste blanche fait tout en fait. Voilà, vous savez tout pour les soldes chez Betty Mode. Je vous ferai une vidéo solde très prochainement parce que j'ai commandé des petites choses. Je me suis fait plaisir, voilà, ça, j'en avais envie. Et puis, voilà, on a pu se payer la suite du salaire qu'on n'avait pas donné pendant le confinement, qu'on attendait que la société se remette à flot et tout. Et donc du coup, je me suis fait des petits plaisirs. Voilà, il faut se faire plaisir dans la vie. Quoi qu'en disent les gens, faites-vous plaisir quand vous le pouvez. Chacun son compte en banque. Voilà, voilà. Bon, Doudou, qu'est-ce que tu dis aujourd'hui ? Doudou, tu dis rien. Tiens, hier, on a fait d'HelloFresh, on a fait une recette, c'était méga bon. Alors attendez, c'était ça. Hop, c'était un poulet sauté au gomasio et riz de chou-fleur avec des haricots verts et du gingembre. Cette recette-là, eh ben c'est super bon. En fait, vous avez dedans, vous avez du riz basique, hein, du riz basmati. Vous avez du riz de chou-fleur, donc c'est du chou-fleur, j'irai râpé, on va dire ça comme ça. Mais vous savez, en espèce de petit cube, enfin je pense que ouais, avec une râpe vous devez arriver à faire ça. Des haricots verts frais et des dés de poulet avec de la sauce asiatique douce. C'était méga méga trop bon le mélange. Franchement j'ai adoré. D'ailleurs pour ce midi il me reste du riz de chou-fleur et des haricots verts que je vais mélanger en faisant une salade froide avec plein de trucs. Ça va être trop trop bon. Et voilà, bah écoutez, pour l'instant je n'ai rien d'autre à vous dire. Oui, je suis passée à la poste aussi, j'avais le retour du colis Click and Fit à faire. Et puis, qu'est-ce que j'avais encore, une enveloppe pro à déposer. Donc voilà. Bon, bah cet après-midi, je vais regarder. Je pense que je vais. Non, je vais regarder pour faire les. Mettre mes photos que j'ai prises chez Betty Mode ce matin sur Insta pour les soldes. Et puis voilà. Allez, je vous laisse. Je vais boire un coup parce que j'ai très soif. Et je vous dis, je viens de vous tourner une vidéo premier round des soldes. Donc je vais enlever toutes les étiquettes, aller mettre tout ça à laver, ranger tout ça. Et ensuite je vais passer au montage vidéo. C'est parti, montage. Bon, je vous retrouve, il est 19h50. Je n'ai pas arrêté de l'après-midi, j'avais plein de choses à faire cet après-midi et comment vous dire que ça a été un petit peu chamboulé puisque j'ai une amie qui m'a appelée savoir si elle pouvait passer me faire coucou. Donc forcément, dans ces cas-là, on dit oui. Hein. Surtout que ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vus juste toutes les deux sans nos hommes et tout, donc je lui ai dit oui. Et ma maman est passée aussi entre temps pour me montrer sa nouvelle tête puisqu'elle a eu le coiffeur ce matin et du coup elle m'a dit, comme elle est allée faire des courses, elle m'a dit je passe te montrer ma nouvelle tête. Voilà, entre temps j'ai travaillé, donc j'ai envoyé des mails pro, mais j'ai également monté la vidéo Shein puisque vous m'avez dit que vous voulez la vidéo Shein vendredi, mais également la vidéo top flop pour dimanche. Donc j'ai pas arrêté de l'après-midi et ben là normalement au programme aujourd'hui je devais faire du ménage. Mais comment vous dire que, que c'est pas fait. J'en étais où, parce que la caméra m'a coupé parce qu'il n'y avait plus de batterie. Mon téléphone portable sonnait en même temps.
Quand je vous dis, c'est des journées, voilà. Donc, je crois que j'en étais là. Je vous disais que la journée a été un peu mouvementée parce que j'ai une amie qui est passée, ma maman qui est passée et tout et tout. Et demain, on avait prévu la semaine dernière avec Alice de se voir. Mais finalement, j'ai attendu la fin de journée pour être sûre de mon coup. Mais finalement, demain, j'ai du boulot au niveau pro. Au niveau perso, j'ai des trucs aussi à faire importants. Donc, voilà. Bon, ça va, Alice, comme elle me comprend très bien, elle me dit oui, je sais, moi je suis en vacances, tout le monde n'est pas en vacances. Donc il y a des moments, bah voilà, comme on a la voiture qui part dimanche, qui part samedi, la voiture qu'on vend, j'ai des choses à faire au niveau pro, des factures, des trucs comme ça, des trucs à envoyer. Donc franchement, demain ça va être compliqué et c'est pas possible. Donc je suis un peu déçue parce que j'étais contente de la voir, mais du coup, c'est pas grave, c'est que partie remise. Normalement, on fera ça la semaine prochaine et je vais tout faire pour que ça se passe bien la semaine prochaine. Voilà. Donc là il est maintenant 20h, c'était Chouchou qui m'a appelé pour me dire qu'il allait rentrer, donc il est là dans 1h30 à peu près, 1h20, parce qu'il est loin aujourd'hui. Donc mes vidéos sont montées, la vidéo Chine, la vidéo Top Flop, ça c'est fait, elles sont en ligne toutes les deux, ça c'est fait, enfin elles sont en ligne, elles sont mises sur YouTube, moi faudra qu'elles soient en mode brouillon, donc moi faudra que je fasse les miniatures et tout et que je les programme demain si j'ai le temps. Ouais, demain je vais prendre le temps de faire ça, je fasse les miniatures, que je les programme pour que vous les ayez vendredi et dimanche, et voilà. Bah écoutez, je suis très contente, n'empêche que je vous avais demandé sur Insta, je vais vous montrer quand même. Je vous avais demandé sur Insta quelle vidéo vous voulez voir avant. Et tout à l'heure, quand j'ai regardé, il y avait une forte demande pour Shein. Attendez, je passe des stories. Parce que ça, comme j'ai regardé mes stories, pour savoir si tout allait bien, ça revient au début. Ah, crotte. J'arrive. Hein. Doucement, Hélène. Va pas trop vite, sinon tu vas encore bugger. Hop, et c'est là. Donc, nous sommes actuellement à 433 votes pour la vidéo Chine et 125 votes pour la vidéo Top Flop. Je ne vous mens pas, je vous montre. Si ça veut bien faire le focus, attendez, je vais vous montrer dans l'autre sens. Mais ça veut pas, dis donc, si ça y est, voilà. Et 433 sur 155. Voilà, bon, l'écran est bien. De mise au point qu'il savait plus où il fallait qu'il aille dans l'écran avec les stries du téléphone. Donc ben, vous avez voté pour Shein à 433 voix, hein. Donc forcément ce sera la vidéo Shein vendredi. Je pense que vous l'attendez aussi fort que moi cette vidéo. Voilà, franchement il y a des pépites dans cette vidéo, il y a des trucs trop sympas. Sur ce, j'aurais bien voulu repasser aujourd'hui parce que j'ai un monde linge à repasser phénoménal. J'ai encore du linge qui a séché dehors. Mes panières sont vides, donc ça c'est... Non, j'ai encore une lessive à faire et après elles sont vides, mais je la ferai demain matin. Ce soir au programme, je pense pas que je ferai l'eau fraîche parce que je vous avouerai que là avec la journée que je viens de passer, je suis un peu lessivée. Il faut que je regarde les dates en fait. On est le combien aujourd'hui? Juillet, nous sommes le 22 juillet. Et au niveau des viandes, parce que les légumes ça va toujours, c'est loin, mais c'est la viande en fait qui pose problème. Il y a des moments. Ça c'est moi qui l'ai acheté, ça c'est bon jusqu'au 28, le 28, c'est quand le 28? Le 28 juillet, oh c'est mardi prochain, donc ça on est ok, et le poulet il est à consommer jusqu'au 25, et le 25 c'est, samedi, non, si, samedi. Donc je peux très bien faire un repas demain et après-demain et ce soir. D'ailleurs j'ai acheté de la viande tout à l'heure, ouais c'est bon. Et ce soir je pense que ça va être ça. Des raviolis au fromage et ce sera très bien comme ça. Bon allez, je vous laisse, je vais aller faire pipi parce que j'ai envie de pipi à mourir. Et puis sur moi demain. Coucou vous, comment allez-vous ce jeudi matin? Il est 10h15 et j'ai déjà fait plein de choses. Vous savez, le programme du jour est assez chargé. J'ai fait des trucs pro ce matin à la fraîche, comme ça j'étais dans le bureau tranquille. J'ai travaillé pendant 1h30 déjà ce matin. J'ai envoyé tout ce que j'avais envoyé. Maintenant j'attends des réponses, qu'il faut que je réponde quand les réponses arrivent. Donc j'ai mon téléphone qui est mis en mode, voilà, il va sonner si des réponses arrivent. Mais en attendant, ben je vais attaquer mon repassage parce que c'est ça aussi, être travailler de chez soi, c'est qu'on peut être polyvalent et faire des choses en même temps. Donc il faut que je le fasse, donc je vais faire ça. Voilà, donc en attendant que je puisse continuer de bosser avec les réponses que je vais avoir,
Et bien je vais repasser. Ouais. C'est un peu une gymnastique hein, de se dire que on doit. Une fois comme ça, j'avais une pause et je me suis fait la teinture et j'ai un client qui m'appelle. Donc j'ai dû répondre avec la teinture sur la tête et tout. Enfin, c'est sportif par moment d'être travailler de son domicile. Mais c'est tellement plaisant. Donc voilà, ce matin j'attaque leur passage en attendant les réponses. Et puis voilà, je suis bien fière de moi parce qu'il est déjà 10h15. J'avais pas mal de choses ce matin. Et donc du coup, ça va être cool. Ma journée va être... j'arrive à gérer ma journée comme je l'entendais à la base. Donc ça c'est trop cool. Allez, je vous laisse et je vous retrouverai plus tard. Bon, mon repassage est fini, je vais ranger tout ça. J'ai mis 2 heures à repasser parce que j'ai été interrompue par le boulot entre deux. Et j'ai un truc à faire impérativement en début d'après-midi pour le boulot aussi. Ma maman m'avait appelé pour qu'on aille se promener. Je lui avais dit oui ce matin et puis finalement le boulot me rattrape. Donc voilà, donc je l'ai appelé en disant que c'était pas possible. C'est comme ça. Là, il y a, je sais pas si vous entendez, il y a des gros bruits. En fait, on a des moissonneuses batteuses. C'est passé. On a des moissonneuses batteuses qui tournent à fond. Et je pense qu'ils veulent travailler à fond là parce qu'ils prévoient de la pluie. Peut-être un peu de pluie à partir de demain, mais samedi, dimanche sûr. Donc je pense qu'ils veulent moissonner avant que la pluie arrive. Sinon après, la récolte, elle est pas terrible quoi. Bon bah écoutez, je vais ranger tout mon linge, il est midi tout pile, j'ai regardé le vlog de Val en repassant, à part intermittence puisque je suis remontée dans le bureau pour faire des choses et tout, et puis je vais ranger tout ça, je pense après, une fois que j'aurai rangé tout ça, je vais manger, et puis après, j'attendrai patiemment que mon appel de 14h. Puis voilà, et j'ai reçu une veste hier de chez Kiabi pour la suite de la vidéo Zol parce que je la fais en deux parties. C'est celle-ci. La couleur est juste magnifique. Pour l'automne, ça va être top. Avec une tenue noire ou un truc comme ça, elle est magnifique. Elle est coupée à cru sur le bas. Moi, je les prends en taille 48, il me semble bien. Attendez. Ouais, je crois que c'est la taille 48 et elle est trop belle. J'essaierai de vous mettre son lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Je crois qu'elle était à 25€, mais j'avais trouvé un code promo. Ça fait un moment que j'ai passé la commande, ça fait plus de 15 jours. Elle est arrivée hier. Donc voilà. Bon bah écoutez, je pense que j'ai mes... Enfin je pense, non c'est sûr. J'ai mes règles qui vont arriver et j'ai les syndromes prémenstruels qui commencent à pointer le bout de leur nez. Donc la tête un petit peu, vous savez, dans le flou, les petites douleurs au ventre qui commencent à arriver. Normalement ça arrive la semaine prochaine, mais une semaine avant j'ai toujours des petits trucs un peu comme ça qui me dérangent. Mais bon c'est la vie, hein, voilà, c'est la vie d'une femme. Donc allez, je vais continuer ce que j'étais en train de faire. Donc ranger le linge et puis normalement ce que j'avais à faire au niveau boulot pour ce matin c'est ok, j'ai eu mes réponses et tout, j'ai pu répondre à tout ça donc ça c'est cool. Ouais je jongle entre la maison et le boulot aujourd'hui et puis il faudrait que je fasse un petit coup de ménage aussi cet après-midi quand j'aurai fini mes papiers pro. Voilà. Coucou, 16h tout pile. Bon le jonglage j'ai l'habitude mais alors aujourd'hui merci bien. Je n'ai pas arrêté de jongler entre le boulot, la maison, le boulot, la maison. Là, depuis 14h, je suis sur le PC avec mon chéri qui m'envoie des messages, les appels que je passe pour le pro. Enfin, j'ai pas arrêté. Je vous assure que le lit ce soir va être le bienvenu, surtout que je me suis couchée tard hier soir. Oui, j'ai mon jeu. Je vous en ai déjà parlé de ce jeu ou pas? Quand je me mets sur ce jeu, je suis... C'est Home Design. C'est ce petit logo qui est là au bout de mon doigt. Je sais pas si vous allez voir. Là. Home Design, j'adore ce jeu. En fait c'est un jeu qui vous permet de... Comment je peux vous montrer ça? Attendez. Donc ça c'est le truc quand ça s'affiche. Alors attendez, ça vient. Bon la musique, attendez, je vais baisser le son parce que... Voilà. Donc c'est un jeu qui se présente comme ça et je ne suis pas du tout payée pour vous parler de ce jeu. Et quand vous faites jouer, en fait, vous arrivez sur une page où, hop, ça je l'enlève, vous arrivez sur une page où en fait c'est un jeu de déco. Mais pour pouvoir aménager la pièce, il faut appuyer sur le petit triangle vert et ça vous amène, vous voyez, vous avez un petit truc joué qui se met et ça vous amène, et je vais devoir faire la partie, ça vous amène sur un jeu comme ceci.
Donc vous allez devoir là en l'occurrence faire tomber les 5 petits canards dans l'eau en faisant des petits trucs avec les petites boules qui se ressemblent, etc. Des carrés, enfin vous faites des lots de 4, des lots de 5, des lots de 6, des lots de 4, des lots de 5, des lots de 3. Enfin voilà, vous faites des trucs comme ça pour casser les petites briques, pour faire tomber les petits canards dans l'eau. Et une fois que vous avez ça, ça vous apporte des points et les points vous permettent de faire d'aménager la maison avec des meubles que vous achetez. Et je suis complètement cinglée de ce jeu. Ce qui est bien, c'est qu'il est totalement gratuit, vous n'avez pas du tout de... En fait, vous avez 5 vies. Et quand vous avez dépensé ces 5 vies, soit vous attendez qu'elles se régénèrent, je crois que c'est une vie toutes les 20 minutes, ou alors vous pouvez regarder une pub de 30 secondes et vous avez à nouveau 5 vies. Donc j'adore ce jeu, et du coup hier soir je m'étais mis dedans, je voulais à tout prix réussir une partie que j'ai pas réussi, et j'ai éteint, il était 1h15 du matin, donc forcément le lendemain. Quand j'éteins, que je me mets à dormir à passer 1h du matin, le lendemain c'est la cata. Et avec tout ce que j'ai fait, voilà, petit cerne et tout, enfin c'est la fête. Bref, là ce que je vais faire, j'ai fini tout ce qui est au niveau pro, donc ça c'est cool. Je vais passer un bon coup d'aspi dans la maison et faire les tâches au sol, parce qu'il y a des petites tâches. Donc je vais enlever les petites tâches au sol, ranger un petit peu tout ce qui traîne. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal, parce que là j'en peux plus. En plus il fait très très lourd cet après-midi, le ciel est voilé, c'est pas très ensoleillé, c'est assez voilé, mais il fait très très lourd et à première vue je pense qu'on risque d'avoir de l'orage ce soir parce qu'il nous prévoit de la pluie demain, je sais pas, on verra bien, mais en attendant, voilà, je voulais vous dire ça, voilà voilà, et ce jeu il est trop cool, si vous... j'essaie de vous mettre un lien en barre d'infos si j'y arrive, mais en attendant, et oui, avant de, une fois que j'ai eu fini mon boulot, je vous ai aussi mis la vidéo Chine pour vendredi en ligne, enfin en ligne, en programmé à 17h30 vendredi, et la vidéo de Top Flop pour dimanche, programmée à 10h30 dimanche, donc voilà, je suis contente, j'ai fait mes 4 vidéos de la semaine, donc ça c'est cool. Allez, cette fois-ci, je vous laisse, je fais ma partie que j'ai commencé, et puis après j'attaque le ménage. Bon, bah, je vous retrouve. Les sols sont faits, maintenant j'attends que ça sèche. J'ai sorti le panier de Birdie depuis tout à l'heure, elle me regarde et elle me dit, tu vas pas me laisser dehors quand même. Non, je l'ai sorti pour y mettre, pour le secouer déjà, et pour y mettre du Febreze textile spécial animaux, pour redonner un petit coup de frais à tout ça. J'ai changé les plaids du canapé, j'ai tout remis en place, je suis un peu essoufflée parce que j'ai pas arrêté depuis tout à l'heure, là il doit être 17h30. Et donc j'ai passé l'aspi partout. Pourquoi, est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi la poussière va toujours dans les coins? Vous savez, là où on met des bibelots, des machins, moi j'ai les coins de mon meuble télé où j'ai mis mon gros cactus, tout ça, et il y a toujours plein de poussière, des bêtes mortes, des traits d'araignées, des trucs dans les coins. Ça me gonfle, donc j'ai passé l'aspirateur partout dans les coins et tout, et j'ai donné un bon coup sur les sols, donc comme ça c'est fait. Comme vous le voyez, le temps est... il est grisou. Attendez, vous avez pas vu, hop, c'est grisouille, c'est pas terrible, mais bon, il fait lourd quand même. Donc voilà, j'ai fait ça, du coup là j'ai les anciens plaids du canapé qu'il faudra que je mette à laver. On les secouera ce soir avec chérie parce qu'à deux on les secoue mieux. Et puis voilà, j'ai du linge qui sèche. Là j'ai ma copine, la bouteille d'eau, qui va me tenir compagnie le temps que mes sols sèchent. Et je pense qu'on peut dire que ma journée est finie. Quoique normalement il y a des moments où je dis ma journée est finie et ça reprend derrière. J'ai fait tout ce que je voulais faire aujourd'hui, donc c'est trop cool. Et j'ai même fait un truc en plus, c'est-à-dire que j'ai trié mon tiroir à culottes à soutien-gorge. Parce que, en fait, je mettais plus rien dedans. Je mettais sur mon étagère où je mets il y a mes pantalons et tout ça, parce qu'il reste une petite place. Parce qu'il n'y avait plus de place. Et je me suis dit, mais il y a les trois quarts des trucs que tu mets jamais. Parce que des culottes colorées, si j'ai des culottes colorées, j'en mets, mais des soutiens-gorge colorés, j'en mets jamais. C'est noir, blanc ou beige ou gris. Voilà, des couleurs basiques en soutien-gorge. Et en culotte, il m'arrive de mettre des couleurs, mais c'est assez rare. Ouais, en soutien-gorge, à part celui de Relais Lingerie en rose. Voilà, c'est des couleurs claires comme ça, mais pas de rouge, pas de violet, pas de bleu, enfin ces trucs-là, j'en mets jamais. Et bah, j'ai tout trié, d'ailleurs, il y en a peut-être que je vais mettre en vente sur Vinted parce qu'ils sont quasi neufs, donc ça m'embête de les mettre à la benne. Et du coup, j'ai trié les soutiens-gorge, les culottes, je vais pas les vendre parce que pour moi, c'est un peu compliqué. Donc, de toute façon, les trois quarts que j'ai enlevés, c'est des culottes, vous savez, elles sont, ça fait des petites bouloches à l'arrière ou des choses comme ça, où il y a des coutures qui sont défaites. Donc voilà, tout ça, ce sera poubelle. Et les soutiens-gorge, je vais voir ceux qui sont encore vraiment bien, parce qu'il y en a, j'ai dû les porter une fois et c'est tout. Et les mettre en vente sur Vinted, peut-être à petit prix, ça aidera peut-être certaines qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter de la lingerie, d'avoir des sous-vêtements à petit prix. Voilà, donc sur ce, là...
Je vais me poser un petit peu pour répondre à certains commentaires sur les réseaux. Et puis voilà. On est trop bien dans cette robe, franchement. Elle est trop agréable à porter. C'est tout léger, tout agréable. Je pense que c'est du coton. J'ai pas vu. Attendez, je cherche une étiquette si j'en trouve une. Là. Je pense que c'est du coton parce que c'est super agréable à porter. Attendez. Eh ben non, c'est 100% viscose. Ben vous voyez comme quoi on a vraiment l'impression que c'est du coton. C'est du made in Italy et 100% viscose. Vous voyez, par moment on dit oui, les sites chinois, machin et tout. Eh ben l'Italie c'est pareil, ils feraient que de la viscose. Mais c'est tellement agréable, tellement doux et on dirait vraiment du coton. C'est vraiment super top. Bon, ben écoutez, moi je vous laisse. Doudou est parti faire son petit tour, ah, un petit pipi. Et puis on se retrouvera peut-être tout à l'heure. Ce soir au repas, c'est risotto épicé au poireau et à la copa, il me semble. Ouais, c'est un menu et l'eau fraîche. Hier, j'ai pas fait l'eau fraîche parce que j'étais trop fatiguée, j'en pouvais plus hier soir. Donc j'ai pas fait l'eau fraîche, mais bon, ça tombait bien puisque il me reste le risotto, donc je vais faire ça ce soir. Et la veille, on avait déjà mangé du riz. Et demain, c'est tortilla, enfin c'est un truc un peu mexicain avec des galettes où on met de la tomate, du bœuf et tout, enfin du poulet dessus et tout. Donc ça tombe très bien puisque je pouvais, par rapport aux dates de péremption, il faut regarder bien les dates de péremption. Vous n'êtes pas obligé de faire les trois soirs qui suivent. Il y a des moments où vous pouvez vous arranger avec les dates de péremption. Voilà. Bon, allez, cette fois-ci, je vous laisse. Et vous avez vu cette jolie petite trousse dorée, là? C'est mes épingles à linge. Même la trousse de, même la trousse à épingles à linge, elle est glamour. Coucou, comment allez-vous en ce vendredi après-midi? Il est... Il y a un bruit. J'entends les pi pi pi. Qu'est-ce que c'est? C'est Birdie, je sais pas si vous allez voir. Elle est là-bas quelque part, là. Elle joue avec son jouet. Vous savez, pi 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 pi. Donc je vous disais, donc on est vendredi. Il est non. Ah si, déjà 16h30. Je suis partie à Amiens ce matin. Je suis passée chez Action parce que chérie voulait de l'alcool à brûler et j'avais déjà regardé en cours cette semaine. Il n'y en avait pas. Chez Action, il n'y a que de la térébenthine et du white spirit, donc il n'y en avait pas non plus. Par contre, je voulais aussi du, vous savez, du savon liquide pour les mains. Je vais vous montrer rapidement ce que j'ai pris. Et j'ai mangé avec les amis ce midi. Et en revenant, je suis passée chez Gisque. Et faut que je vous raconte une anecdote. Je sortais de chez Gisque. J'avais ça dans les mains. Voilà, cette panière là qui est lourde parce qu'il y a des choses dedans. Et j'avais aussi un coffre de jardin. Vous savez, les coffres de jardin en plastique là, mais qui est démonté. Puisque il est là-bas le long de... On va pas le voir d'ici. Bref, ça fait comme un... Allez, un truc qui est épais comme ça, mais qui est très large en fait, parce qu'il est démonté. Et donc j'avais tout ça dans les mains, et il y a un monsieur qui me dit « Je vais vous aider madame, je vais vous aider madame ». J'aime pas trop ça, mais bon, il m'a pris le coffre des mains et il me l'a amené jusque la voiture. Donc voilà, je lui dis merci beaucoup, il me dit « Allez, viens, on va boire un verre ». Non, ça va aller, merci. Et il dit « Si, si, viens, viens, allez, on va boire un verre, je t'offre un verre et tout, et en plus t'as une belle voiture et tout, allez, je t'offre un verre ». Je lui dis « Non, merci, ça va aller ». Et bon, il a compris que, vu ma tête, il a compris que c'était pas la peine d'insister. Mais c'est bon, ça, c'est valorisant dans un sens, parce que bah, ça veut dire qu'on plaît un petit peu quand même. Mais c'est un petit peu... ouais, c'est la façon dont c'est fait, quoi. C'est pas, c'est un peu agressif et j'aime pas ça du tout. Bref, et puis avec le style de voiture que j'ai, j'avoue que par moment, voilà. Donc, je vous disais, donc chez Gisque, ça c'est mes vestes à moi, ça n'a rien à faire. La blanche, il faut que je la rapproche tout de suite, parce que le blanc c'est joli, mais si on laisse traîner, c'est vite sale. Hop, alors chez Gisque, je vous montre rapidement ce que j'ai pris. J'ai pris, ça c'était en promo, c'est des sacs comme ceci. Alors vous avez 50 sacs, il y en a 25 en 1,2 litres. Et 25 en 2,5 litres, c'était à 3 euros au lieu de 3,90, quelque chose dans le genre. Et comme il me fallait des sacs congélation, je les ai prises. Ensuite, j'ai pris cette petite chose-là qui est en solde également. Je crois que c'était 3... $3,50 au lieu de 4,99. Donc, je sais pas si vous allez voir, c'est ça là. Hop, c'est une petite un bain à oiseaux, ils appellent ça en fait, petite fontaine, on peut mettre de l'eau pour les oiseaux. J'ai trouvé ça tout mignon à mettre sur la terrasse. J'ai pris également une petite serviette comme ça pour mettre sur mon plan de travail quand je me maquille, pour éviter qu'il y en ait partout. Ça c'était
Je vous dis ça tout de suite. C'était 1,29€. Mais je les aime bien, celles de chez Gis, qu'elles tiennent bien. Et puis quand j'ai fait mon tri dans mes culottes cette semaine, j'en ai jeté deux qui étaient complètement tachées et qui étaient dégueulasses. Donc voilà. J'ai pris ça. Alors ça, je vous donnerai pas le prix d'origine parce qu'il était dans les soldes. Et pour eux, les soldes, ils sont des petits malins parce que ils enlèvent les prix d'origine et ils mettent des pastilles. Et les pastilles correspondent à un prix. Ça, c'était 5€ en solde. Donc je sais pas si c'était plus cher que ça. En attendant, c'est assez lourd. Matériaux bois de manguier. Ouais, c'est du manguier quand même. Donc c'est un plat comme ça qui est très 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 joli, un peu, vous savez, ça fait un petit rebord. J'ai trouvé ça très 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 joli et je me demande si je ne vais pas le mettre là à la place du set de table. Je trouve que ça fera peut-être plus joli. Je vais voir comment je m'en sers. En attendant, je l'ai trouvé tellement beau que je pouvais pas le laisser dans le magasin. Après, j'ai pris pour finir, non pas pour finir parce qu'il y aura le dernier truc. En fait, j'y suis allée pour le dernier truc que je vais vous montrer. J'ai pris des tapis de bain. Attendez, je me retourne pour les montrer. Donc, tapis de bain, c'est des nouveautés de chez Gisque. Je les ai trouvés très jolis. Le fait qu'ils soient un peu tressés comme ça en chenille. Leur petit nom, c'est Novo. Ils font 50 sur 80 et ils étaient en promo à 7,50 au lieu de 14,98. Donc, ça valait le coup. Donc, il y avait cette couleur-là. Il y avait moutarde un petit peu. Peu comme la serviette, il y avait du gris et il y avait une autre couleur mais je ne sais plus, du rose peut-être. Donc voilà, j'en ai pris deux et j'ai repris la petite panière comme ça qui est la même que celle là-bas, parce que celle là-bas, je vais vous montrer après, c'est une horreur. Donc cette petite panière là, cette petite panière là, j'ai cherché très longtemps l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus bien, un panier comme ça qui soit top. C'est le panier Marie. Oui, c'est le panier Marie, hop, de chez Gisque. Pour information, niveau taille, il fait 38 cm de diamètre et ça fait 25 cm de haut. Il a des petites anses en une espèce de faux cuir comme ça. Et il a un... Vous savez, là, le... voyez ? C'est rigide, il y a un truc de fer. Donc j'ai cherché très longtemps un panier pour mettre les jouets à Birdie l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus bien. Et j'ai eu beaucoup de mal à trouver quelque chose qui me plaisait. Et l'année dernière chez Gisque, ou il y a 2 ans, je ne sais plus bien, je vous l'ai déjà dit, j'avais trouvé celui-ci qui était normalement à 25€, quasiment 26 je crois, 25€ sûr, et qui passait en promo l'année dernière à 11€. Et là, j'y suis allée cette année voir s'ils étaient encore en solde. Et ils étaient en solde à 7,50 au lieu de 25. Donc ça valait trop 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 le coup. Et d'autant plus que le sien, je vous montre, voilà. Le sien, ben, elle m'a fait péter la sangle là. Donc voilà. Et c'est ouf, regardez. Voilà, 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 voilà. Il est dans un état pitoyable. Donc j'avais dit à chérie, je vais voir s'il est en solde, j'en prends un. S'il n'est pas en solde, elle restera avec un truc pourri. Il m'a dit non, faut que tu le répares et tout. J'ai dit tu te fous de moi, je l'ai déjà réparé 2 fois. Donc il y a un moment, c'est bon. Donc elle va en avoir un tout nouveau, qu'elle va dépouiller comme l'autre. Parce qu'en fait, elle prend plaisir à attraper ici, à retourner la panière pour vider les jouets. Et après, elle secoue la panière. Et on a beau lui dire non, quand elle a décidé que, elle a décidé que. Bref. Toujours est-il que pendant ce temps-là, elle me mord pas les bas des jambes. Et d'ailleurs, je voudrais faire un petit coucou à l'abonné qui m'a reconnue chez Action. C'était trop gentil. T'es une jolie blonde qui m'a reconnue chez Action. Tu avais des cheveux magnifiques, blonds et un peu frisés comme ça. C'était trop joli. Voilà, ça fait toujours plaisir de rencontrer des abonnés. Ça fait 2 fois en une semaine. Ouais, la semaine dernière et cette semaine, à chaque fois une abonnée. Ça fait toujours plaisir. J'étais super contente de te rencontrer. On n'a pas parlé longtemps, mais c'est vrai que c'est pas évident avec les masques et tout et tout et tout. Mais ça fait super plaisir de quand je vous rencontre, ça me fait vraiment super plaisir. Chez Action, je vous montre rapidement ce que j'ai pris, mais j'ai pas pris grand chose en fait. J'y suis allée pour une chose. Ouais, une chose en particulier. Je vous ai dit, j'y suis allée pour une chose en particulier. Je voulais l'alcool à brûler que j'ai pas trouvé. Donc, il y avait des enveloppes bulles comme ça. Donc j'en ai repris, ça c'est 99 centimes le lot de 3, j'en ai pris 3 lots. Ensuite, forcément, Action des Cheetos. Tiens d'ailleurs, il faudrait que je regarde si ils sont au même prix, parce que la dernière fois je les avais pas trouvés dans le même magasin. Alors attendez, je regarde.
1,09€. Ouais, ils ont augmenté puisqu'ils étaient à 99 centimes avant le confinement. Donc vous voyez, ils ont pris 99, ils ont pris 10 centimes dans la tête pendant le confinement. J'ai repris ça pour Chouchou qui adore et pour moi aussi, les Hot Mix Spicy. C'est très sympa ça. C'est des cacahuètes, des trucs un petit peu asiatiques, vous savez, avec du wasabi et des trucs comme ça. Ils sont plutôt bons. Et ça, c'était 1,99€ le sachet de 400 grammes. J'ai pris, ça c'était dans les promos de la semaine, des salades mix croûtons de graines et d'oignons séchés. Où il y a des croûtons, des graines et des oignons séchés quoi. Il y a 75 grammes. Ça, c'est ça. Voilà. Il y en avait deux sortes, je crois. Et ça, c'était, je crois que c'était 79 centimes. Oui, c'est ça, 79 centimes. Hop, ça, c'est bien pour mettre dans les salades, dans le bois, là, dans tout ce que... plein de choses. J'ai pris également un petit déco comme ça. Alors, il commence à mettre la déco d'automne. Ouais. Petit truc comme ça. Il existait en comme ça et en rouge, aux champignons plus plats. Mais j'ai trouvé celui-là sympa pour mettre sur la terrasse en déco. C'est vraiment... Voilà, mon chéri va me dire ça sert à rien. Mais je m'en fous. Moi, j'aime bien... ils sont où les champignons? Un 64. Voilà. Donc oui, je vous disais, j'y suis allée pour deux trucs en particulier. Particulièrement le savon pour les mains. J'ai pris celui-ci parce que j'aime beaucoup. J'aimais beaucoup ça et puis c'était marqué citrus. Donc le savon pour les mains, si je vous pose comme ça, ça peut le faire, non? Peut-être un peu bancal, mais je vais essayer de me mettre comme ça. Le savon pour les mains citrus, c'est 1,49€ et je vais le sentir avec vous. Ah oui, ça sent le produit à sol au citron. J'ai pris également un gros contenant comme ceci. Alors celui-ci, il était plus cher. C'est combien de litres ça? 200 ml, donc ça fait 2 litres. Il est où? Là, 2,79€, donc franchement ça va. À la base c'est du bain douche, donc vous pouvez l'utiliser pour vous laver aussi. Mais moi ce sera pour recharger le truc à main en fait. Et ça sent très bon, ça sent un peu le Dove. Je sais pas si ça vous parle le Dove, mais ça sent très bon. Et pour recharger les trucs à main, je vais mettre le... Hop. Je vais mettre ça dans le placard de la chaufferie et je rechargerai mes trucs à main quand on aura besoin. Autre chose que j'ai trouvé, que je voulais prendre la dernière fois dans mon autre nose et il n'y avait pas les couleurs que je voulais parce qu'il y avait rose bleu et je voulais pas de rose et de bleu, et il y avait dans un où je suis allée la dernière fois, il y avait un jaune, mais comme je sais que le jaune ça attire toutes les bêtes d'orage et que c'est vite dégueulasse, et là il y avait du gris. Et pour aller sur la terrasse quand on a un peu plus de monde et qu'on veut voilà un truc en plus, donc j'ai pris un pouf, voilà un pouf comme ça gonflable, donc c'est bien parce qu'on peut le gonfler et le dégonfler à volonté. Il fait 56 cm de diamètre sur 25 cm de haut, et voilà, je me suis dit que ça pouvait être sympa quand on a des amis en plus, et voilà. Ensuite j'ai pris des galettes pour Birdie, celles-ci parce qu'elle les adore, je crois que c'est 1€ et des brouettes. Je peux vous dire les prix parce que ça me gonfle de chercher. J'ai pris un gel douche comme ça, Ushuaia Polynésie, mangue et miel de fleurs. J'ai pris des petites pinces à cheveux comme ça parce que c'est toujours utile. Et après, alors il y a cette petite pelote de cisale parce que je compte vous faire des DIY pour la rentrée. Donc des petites pelotes cisale, ça fait 50 mètres, donc ça c'est bien. Et après j'ai pris, attendez, je vais les sortir parce que j'ai vu ça dans un DIY de Tagada Nail. Je sais pas si vous connaissez sa chaîne, elle fait des DIY super top. Et donc j'ai vu qu'elle avait fait un DIY avec ces cordes là et je voulais à tout prix les trouver. Donc hop, 10, 10, 5, 5, 5, 2, 2. Voilà. Donc j'ai pris, alors comme vous le voyez, hop, voilà, il y a trois tailles de cordes différentes. Donc le premier, j'ai pris comme ceci, il n'y a pas marqué la taille de la corde. Donc vous voyez, c'est une grosse corde comme ça qui est en coton. Il y en a 2 mètres et ça valait, donc ça j'en ai pris 3 bobines, la grosse. Ça valait 1,49€ la bobine de toute façon, voilà. Et comme les bobines sont en bois,
Ça, on peut s'en resservir. Vous voyez, ça, c'est en bois costaud. Donc ça, vous pouvez vous en servir aussi en DIY, par exemple. Ensuite, j'ai pris de la moins épaisse, qui était un 5 mètres, pareil, 1,49 le truc. Et de la plus petite encore, qui, elle, fait 10 mètres. Et j'en ai pris deux. Donc 1,49 à chaque fois, chaque bobine. Donc je suis super contente de les avoir trouvées, parce que j'en avais jamais vu. Et là, j'en ai vu, donc j'étais hyper contente. Donc voilà un petit peu pour mon haul. Je vous ai montré tout ça là parce que j'ai la flemme de refaire de sortir la caméra pour faire un haul, et puis il n'y a pas grand chose d'extraordinaire dans ce haul au final. Donc voilà, comme ça je vous ai tout montré, on n'en parle plus et c'est tout. Et vous savez que maintenant je fais des stocks de Cheetos. Oui, je sais. Parce que après le confinement, on a eu beaucoup de mal à en trouver. Et quand j'en ai trouvé, j'en ai pris 3 paquets. Et maintenant, j'en ai toujours au moins un paquet en stock. Comme là, il en restait plus qu'un paquet dans le placard, j'en ai repris un paquet. Comme ça, je sais que j'en ai toujours un paquet en stock. Faut être complètement zinzin, mais c'est pas grave. Bon, bah écoutez, il se fait 16h42. Oui, ça fait 14 minutes que je vous parle. Je vais de ce pas aller me laver les mains, me faire un petit café. Et puis ouvrir le PC parce que j'ai des petits mails à répondre. Donc voilou voilou. Et puis sinon, bah écoutez, rien d'autre de spécial de prévu dans l'après-midi. Un peu de détente aujourd'hui, ça ne fait pas de mal. Ça ne fait pas de mal du tout. Coucou, samedi. Bon, pour celles qui m'ont vu sur Insta ce matin, j'étais pas habillée comme ça. Enfin, samedi dernier au matin, j'ai été habillée avec un petit pantalon blanc et tout. Je vous laisse aller voir dans les tenues Insta. Sur Instagram, j'ai une partie tenue du jour dans les stories permanentes. Et c'est ce que je vais remettre ce soir parce qu'on va chez des amis. Mais là, vu qu'on reste à la maison et qu'on a bricolé un petit peu avec Chouchou, je me suis changée pour pas salir mon beau pantalon blanc. Donc, j'avais acheté ça hier chez Action, je vous l'avais montré. Et j'avais acheté ça chez Gisque. Donc, du coup, on les a installés. Chérie a voulu tester le pouf. Je vais vous montrer rapidement. Puis, on a fait le coffre aussi. Je vous avais dit que j'avais acheté un coffre. Je vais vous montrer ça. Birdie est passage aujourd'hui. Un des passages. Non, les passages. Attendez, on arrive. Hop. Donc, le coffre, je vous montre. Celui-ci qui est à 25 euros chez Gisque au lieu de 35, il me semble. Donc, on a mis des petits poids pour que, vous savez, le plastique se tasse bien. Mais il est vraiment très très bien. Il est tout noir. Il est sympa comme tout. Et ouais, il est beau. C'est la marque Keter. Ouais, franchement sympa comme tout. Je sais plus si je vous avais montré le... Ça, c'est un DIY que j'avais fait. Je vous avais pas fait de vidéo, je l'avais juste fait comme ça. Et ça, j'avais eu ça chez Jiffy. Puis ça, ce que vous entendez gling gling, c'est cette petite chose là qui vient de chez Jiffy également. Voilà. Et le pouf, il est sous la table basse parce que mademoiselle a décidé que c'était un jouet. Et comme vous pouvez le voir, l'abreuvoir oiseau, Birdie a décidé que ça pouvait être une très sympa gamelle pour elle. Donc elle s'en sert comme gamelle d'extérieur. Et c'était mon but, donc je suis contente. J'avais un peu peur en fait qu'elle ne veuille pas se servir de cette gamelle d'extérieur. Et c'est très joli, c'est tout mignon et bon, c'est plutôt pas mal. Je vais vous la montrer de plus près. Des petits oiseaux comme ça, une petite gamelle, voilà. Ça fait une petite déco sur la terrasse qui en plus est sa gamelle. Il fait un peu de zizouille mais il fait lourd et on est plutôt bien. J'ai... sorti le short et la petite tenue sympa de maison pour rester à la maison faire quelques trucs. Donc voilà, on a fait ça ce matin, on a fait ça, on a livré la voiture. Bien, plutôt bien. Et le coffre qu'on avait avant, c'était celui là-bas qui était rafistolé d'un côté et ma mère le veut, donc on lui emmènera quand on aura le temps. Et puis mes fleurs, quand on les a mis, mais elles ont bien poussé depuis le temps. Là, le lierre, il est vraiment bien poussé et c'est très joli, ça redescend et tout, c'est vraiment très beau, j'aime bien. Ça, c'est sympa aussi. Par contre, je pense que ça n'aime pas trop la chaleur, mais je les arrose vraiment beaucoup. Mais bon, voilà un petit peu ce que ça donne. C'est sympa, j'aime beaucoup. Avec le mur ancien brique comme ça, je trouve ça sympa. Bon, bah écoutez, tu fais du rangement, mon cœur. Ouais. T'as rangé le bordel. Ton horloge, elle a plus de pile encore un coup. Passer la spi dans ton étable. Ouais.
c'est pour tondre. Tu les laisses là? Bah ouais. Il y en avait déjà là, regarde. Il y en a des pumas là. Bah elles sont là celles-là. Bah ouais, mais on va pas faire que ça, pour les jeter alors. Bah oui. Dit-il. C'est quoi les Adidas là? Bah je vais les jeter aussi. Un partout la balle au centre. Je me prends la porte. Ils l'ont vu que t'étais pas gentil avec moi. Il s'en fout. Il dit je m'en fous. C'est quoi le petit ballon blanc et rouge là-bas? Ça doit être un des nombreux achats. Un ballon stock. Bah si. Coucou les choupettes d'amour, comment allez-vous? On est dimanche, il est 18h quasiment 35. Bah écoutez, on a fait un petit dimanche. Je suis désolée, il y a mon chéri qui passe la spi dans sa voiture. Pardon. Oui, il y a de la musique par là. On va retourner dans l'autre sens. On a un petit dimanche tranquille à la maison. Hier, je vous ai pas pris beaucoup, je crois. Je vous ai pris le matin. La vente de la voiture s'est très bien passée. L'acheteur était très content, donc on est content. Et après, le soir, on a mangé chez des amis, un petit apéro dînatoire tranquille au bilou. On a passé une super soirée. Ce matin, bah, écoute, on s'est levé tranquille. Chérie était chercher des petites viennoiseries et du pain frais à la boulangerie. C'était top. Et il a fait beau quand même aujourd'hui. On pensait qu'il allait pas faire très très beau, mais il a fait beau. On est bien. Oui, je suis en t-shirt et en short, basique. J'ai fait des petites mises en vente vintage. Chérie a bricolé sur la voiture et des petites choses comme ça. Et puis voilà, il me reste quelques petites mises en vente de bijoux que je ferai ce soir devant le film. Et là, je vais aller à la douche. Et ce soir au programme, c'est une petite plancha. J'ai fait un petit petite préparation d'aiguillettes de poulet que j'ai coupé en petits morceaux avec du chorizo, de l'ail et de l'huile d'olive et des herbes de Provence que j'ai mis au frigo pour que ça marine. Et avec, bon, je sais pas encore ce que je vais faire, je vais regarder après. Mais pour l'instant, à la douche, je vais me faire un petit masque, tout ça, faire un petit peu de nettoyage de peau et tout le tralala. Ça va faire beaucoup de bien. Donc, je vous laisse. Et bon, je sais pas si je vous reprends après ou pas. Si je vous reprends après, ben je vous reprends après. Si je vous reprends pas, ben